Ce programme de formation est stratégique pour EDF parce que nous souhaitions avoir une relation client d'excellence, mais également une relation salarié d'excellence. Ségos nous a accompagnés en formant les managers et aussi les formateurs des conseillers clientèle, également en concevant avec nous en mode design thinking les modules de formation et enfin par un pilotage de projet efficace et proche. On a constitué une équipe d'une quinzaine de consultants formateurs avec des expertises complémentaires comme le développement personnel, l'intelligence émotionnelle, les techniques de facilitation. Et également, on a travaillé avec des comédiens formateurs et ça, ça a apporté un vrai plus dans les mises en situation. Conformément à la politique de développement des compétences d'EDF, nous avons privilégié la formation autrement. C'est-à-dire qu'en plus des modules de formation, les conseillers ont pu bénéficier de mobile learning et également de professionnalisation en situation de travail. Alors pour les conseillers, ce sont leurs formateurs qui ont été formés à la fois à l'accompagnement, mais aussi aux compétences relationnelles clés. Et pour les autres populations, eh bien, ce sont les facilitateurs qui ont été missionnés sur ces compétences relationnelles clés et qui ont bénéficié d'une formation approfondie par Ségos, mais aussi de coaching individuel. Peu de contenu, c'était le parti pris d'EDF. L'approche a été très expérientielle pour laisser aux participants le temps de vivre et de ressentir les compétences relationnelles clés. Le principal bénéfice pour EDF a été l'amélioration de la satisfaction client. En effet, si on prend l'année de référence 2019 avant Covid et le début de l'année 2022, eh bien le taux de clients satisfaits a augmenté de 5%. Alors les facteurs clés de succès, déjà pour commencer, il y a eu un sponsorship efficace pendant toute la durée du déploiement. Également, ce déploiement, on a prévu de le faire de façon séquencée pour que chacun puisse approprier une compétence avant de passer à la compétence suivante. D'autre part, il y a eu toute une équipe de consultants Ségos mobilisés et accompagnés sur toute la durée du projet. Une synergie entre EDF et Ségos avec une vision partagée de la formation. Et une conception, un design thinking qui a permis d'inclure toutes les parties prenantes sur toute la durée du projet.